Verset 8 que monsieur a gaspillé. Que ce livre de la loi ne soit près de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Monsieur dit, bon Dieu, bye Bible pour mon réussir dans tout ce qu'on fait sous la terre. Bon Dieu, bye bye Bible pour aller dans le ciel. Garde des marches. C'est ça qui sortit dans l'entreprise spirituelle là pour arriver dans l'entreprise matérielle là. Où est ça? Ça va pas mener dans le ciel. Ça va pas mener dans le ciel. Aïe, cherche un maçon loge, m'a dit, moi, c'est la mener dans le ciel. Yo gagne, yo connaît le plus face à nous. Bon, ok. Satan connaît la Bible là, façon. L'Elvin contre Jésus, c'est la Bible récitée. Bah. Est-ce que Satan va dans le ciel? Ça là pour faut réussir sous la terre. Réussir sous la terre. Et ceci dans tout ça va entreprendre. Monsieur pour un texte, il est dévoré. Il prend Josué chapitre 1 verset 8. Bon, tout explique le texte. Parce que, bon, tout explique. Il prend un texte, il est dévoré. Mais là, qui t'en mieux? Josué 1 verset 8. Premièrement, Josué est son livre transitoire. Son livre transitoire. Et c'est double transition. C'est double transition. Donc, le Pentateuque a fermé avec Deutéronome. Deutéronome qui sont rappels des lois, des principes, des préceptes que bon Dieu t'a dressé pour la marche. En spirituel, moral, professionnel, familial, pour son peuple. Et puis, Josué va commencer le livre historique. Mais texte, monsieur Brown, pour question de contexte, on va commencer depuis le verset 1er. Il faut m'expliquer le texte. Monsieur Brown, casse-pied. Après la mort de Moïse, vigile, serviteur de l'Éternel, vigile. L'Éternel dit à Josué, vigile. Fils de nous, serviteur de Moïse. A remarquer dans le premier verset, bon Dieu n'a pas dit Josué serviteur de Dieu. Pas besoin de dire amen, je ne sais pas comment expliquer. Suivre. Pour qui ça n'a pas dit serviteur de Dieu, il n'a pas dit deal à Josué. Josué, c'est continue ton travail. Moïse, t'as fait, il vient faire. Donc, c'est à Moïse qu'elle te gagne deal. Moïse te gagne obligation, pas seulement mettre le peuple en dehors de l'Égypte, mais conduire dans la terre promise. Moïse mourit. Bon Dieu, maintenant, maille Josué, que tu es serviteur de Moïse. Pas mon serviteur. Parce que ou continuer, ça nous relève. Il y a un ministère qui m'a confié à Moïse. C'est ça qu'on prend loin. L'on lit le livre Josué. Ou après le leadership Josué, il semblait avec le leadership Moïse. Là. Verset 2. Moïse, mon serviteur. Affirmation que Moïse, qui était mort, Satan, allait acclamer son corps. Bon Dieu a dit Satan, ou faut mauvais choix. Est mort. Maintenant, lève-toi. Et passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert de Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie courage. En agissant fidèlement selon la loi de Moïse.
sais être fidèle à ma parole. Qui te m'explique qui ça veut dire être fidèle à ma parole. C'est l'autant de me dire un bagage pour faire exactement ça. Maintenant, qui est-ce qui a provision pour faire ça? C'est le monde dans la ville. Le monde qui capote la parole, mon Dieu, en pratique, en matière de fidélité, c'est le monde qui Dieu dans la ville. Bon, me dire classiquement pour comprendre, c'est le monde qui sauve le café sa scène. C'est le monde qui sauve. Bon Dieu, retournez encore avec le Pentateuque ou les écrits de Moïse ou la loi de Moïse pour dire tu dois être fidèle à ça, me dit Moïse. Et puis maintenant, être fidèle à ma parole, mon serviteur Moïse t'a prescrit. N'étant de tout ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8 que monsieur a gaspillé. Que ce livre de la loi ne se loie près de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Écoutez. Quelle loi? C'est la loi de Moïse. Que ce livre de la loi ne se voit point ta bouche. D'où une répétition verbale. Une répétition verbale. D'où la parole répétée. La parole répétée. Quelle parole? La parole de Dieu. Et puis, reste ça va dire cet ainsi. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mes amis, monsieur dit, bon Dieu, bâille Bible pour mon réussir dans tout ce qu'on va faire sous la terre. Bon Dieu, bâille Bible pour aller dans le ciel.